Sayın seyirciler, Strasbourg'da Avrupa Konseyi önünde sunduğumuz Postun Sesi Fransa özelle karşınızdayız. Program akışımızda Fransa'da gündemin nabzını yoklayacağız. Fransa'da Türkiye'yi ve Türkleri ilgilendiren haberleri, olayları ve ön plana çıkan konuları değerlediğimiz haber turuyla ekranlarınıza taşıyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Yaklaşan 23 Mart, 30 Mart Fransa yerel seçimleriyle ilgili röportaj yapmak üzere Avrupa Konseyi önünde bulunuyoruz. Konuklarımız Sayın Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosu Serdar Cengiz, Sayın Halk Hareketi Birliği UMP adayı eski Strasbourg Belediye Başkanı Fabien Keller, Sayın Bağımsız Demokrat Birlik Partisi UDI adayı eski Sanayi Bakanı François Loos, Sayın Sol Cephe FJ Partisi adayı Jean-Claude Val ve Sayın Bağımsız Yurttaş Hareketi Birlik Partisi MCS adayı İlk Türk Strasbourg Belediye Başkan adayı Tuncer Salamer. Ve Sayın Başkonsolosumuzla başlamak istiyorum. Sayın Başkonsolosum, Fransa yerel seçimleri yeni sayım başladı. Türk seçmenlerine yönelik neler söyleyeceksiniz? Evet. Sayın Strasbourg Belediye Başkan adayları, TGRT kanalının değerli izleyicileri ve kıymetli vatandaşlarım. Şimdi öncelikle bir iki rakam vereyim. Hepimizin bildiği gibi Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki vatandaş sayısı artık 134 bine ulaşmış durumda. Rahatlıkla söyleyebilirim ki vatandaşlarımız bulundukları bölgelere önemli ekonomik katkılar yapmaktadırlar. Ve gerek çalışkanlıkları ve gerek dürüstlükleriyle Fransız makamlarının takdirini kazanmışlardır. Bazı vatandaşlarımız kendi işlerlerini açmışlar ve bu girişimlerinde son derece başarılı olmuşlardır. Başta inşaat sektörü olmak üzere lokantacılık ve gıda malzemesi dağıtımı gibi alanlarda kendi işlerini kurmuş vatandaşlarımızın sayısı hiç de az değildir. Bu tabii hiç kuşkusuz her milletin kolayca yakalayabileceği bir başarı değildir. Ve bu memnuniyet verici durum da hiç şüphe yok ki vatandaşlarımızca gönülden benimsenmiş yüksek ahlaki değerlerin ve girişimcilik ruhunun bir neticesidir. Şimdi seçimler hakkında birkaç şey söylemek gerekirse, içinde yaşadığımız Fransa'nın siyasi gündemi bugünlerde bu içinde bulunduğumuz Mart ayında düzenlenecek yerel seçimler nedeniyle yoğunluk kazanmıştır. Bu seçimler vatandaşlarımıza yaşadıkları yerlerde memnun olmadıkları, düzeltilmesini istedikleri hususları kullanacakları oylarla ifade etmelerine imkan sağlayacaktır. Bu nedenle çifte vatandaş olan vatandaşlarımızın yerel seçimlerde oylarını kullanmaları, hem içinde bulundukları Fransız toplumuyla bütünleşmelerine katkı sağlayacak, hem de yaşadıkları toplumda seslerini duyurmalarına imkan verecektir. Esasen vatandaşlarımızın Fransız siyasetine katkısının sadece oy kullanmakla sınırlı kalmaması da arzumuzdur. 2008 yılında düzenlenen en son mahalli seçimlerde görev bölgemizden 30'u aşkın vatandaşımız çeşitli partilerden belediye meclis üyeliğine seçilmiştir. Bu tabii umut verici, sevindirici bir gelişmedir. Bu başarının bu seçimlerde artarak devam etmesini diliyorum. Bu nedenle vatandaşlarımıza önce siyasi partileri üye olmaları ve daha sonra bu üyeliklerinde pasif kalmayarak aktif bir tutum benimseyerek bulundukları ilçelerin yönetimlerine girmeleri ve en nihayetinde belediye başkan yardımcılığına, belediye başkanlığına ve hatta milletvekilliğine aday olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime burada son verirken şahsınıza tüm TGT mensuplarına düzenlemiş oldukları bu güzel programdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi adaylarımıza yönelteceğimiz iki sorumuz mevcut. Birincisi, Türk asıllı Fransızların seçimlerdeki ağırlığı ve yeri. İkincisi, Türk seçmenlerine yönelik mesajları. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de votre présence quant à ce reportage. Alors, on va aborder deux questions. La première, c'est quelle est l'importance et le poids des Français d'origine turque dans les élections. Et la seconde, quel est votre message quant à l'électorat d'origine turque? Alors les personnes nées en Turquie ou enfants de personnes nées en Turquie sont nombreuses à Strasbourg et nous en sommes très heureux. Nous sommes ici devant le Conseil de l'Europe et la Turquie est l'un des pays fondateurs de cette magnifique institution et participe à son assemblée parlementaire comme à la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc les Turcs, les ressortissants turcs sont très importants dans notre ville et nous sommes heureux des très nombreux échanges économiques. Beaucoup d'entreprises travaillent avec la Turquie et la France, des échanges culturels aussi, puisque vous êtes un grand pays très dynamique. Et c'est aussi une opportunité, puisque la Turquie a une belle croissance que nous aimerions avoir aussi en France. Donc avoir des relations avec un grand espace très dynamique, c'est important. Votre message quant à l'électorat ? Alors, les populations d'origine turque participent au vote et j'en suis très heureuse, c'est important. En tant que citoyen attaché à la Turquie, mais aussi en tant que citoyen qui travaille, qui a des enfants, qui vit dans la ville, je voudrais leur dire qu'au moment du débat parlementaire français, puisque je suis sénatrice, sur le génocide arménien, je me suis opposée à ce texte. Et j'ai déposé un recours au Conseil constitutionnel qui a été validé par le Conseil. La Turquie est un grand pays démocratique. Les questions d'histoire doivent être examinées par les historiens et dans l'objectif qui est celui du Conseil de l'Europe, cet objectif de construire la paix et la concorde et d'avoir un regard apaisé sur l'histoire. Donc la population turque peut compter sur moi pour voilà, être accueillante à leur côté, tout naturellement, comme tous les Strasbourgeois, mais aussi avoir un regard pacifié sur l'histoire et sur cette grande démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Loss. Bonjour, je pense que la communauté turque est très importante à Strasbourg. On dit qu'il y a 19 000 personnes qui parlent turc à Strasbourg, dont 5 000 sont français et donc susceptibles de participer à des élections. Je voudrais à mon tour vous dire que je suis un assidu des questions turques. Je suis allé en voyage de noces en Turquie et depuis j'ai été très souvent en Turquie pour des raisons professionnelles. Et j'ai eu la joie de travailler avec des entreprises turques avec beaucoup de satisfaction. Ce sont des gens très travailleurs, très sérieux, avec lesquels il est bon travailler et on arrive en général à des résultats positifs. Donc j'ai de très bons souvenirs de ce côté-là. Je voudrais... Votre message ? Mon message, c'est qu'il faut à Strasbourg être entreprenant, il faut être créatif. Et cette qualité, les Turcs l'ont. Il faut à Strasbourg avoir le goût de la culture et de l'histoire. Et rien qu'avoir le festival franco-turc auquel j'ai participé samedi soir, on peut dire que la communauté turque est très active et très vivante, et très créative dans ce domaine. Et puis il faut à Strasbourg s'intéresser au sort des familles. Et les Turcs que je connais ont beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attachement à la famille, à la vie en commun, à la famille, à la grande famille, et je crois que c'est des qualités très importantes. Donc les qualités que je reconnais souvent chez mes amis turcs, ce sont des qualités d'entrepreneuriat, de travail, de respect de la famille et d'amour de son pays. Voilà des choses qui sont très importantes et auxquelles je leur souhaite de trouver des réponses dans notre ville. En tout cas, c'est à nous de faire en sorte que le rassemblement soit le plus positif possible entre leur vision et les nôtres. Merci beaucoup. Monsieur Val. Bonjour. Je voudrais d'abord dire que le modèle que défend le Front de Gauche pour ce qui concerne l'intégration des citoyens, c'est le modèle de l'intégration citoyenne individuelle. Et à ce titre, tout Français, quel qu'il soit né à Strasbourg, qu'il soit né en France ou qu'il soit né en Turquie, est un citoyen doté du droit de vote, donc il est pleinement intégré à notre société. Le modèle citoyen, c'est le modèle citoyen laïque et républicain, et nous tenons beaucoup à cette dimension. À ce propos, j'ai consulté les chiffres de l'INSEE, il y aurait de l'ordre de 500 000 personnes vivant en France qui sont d'origine turque, dont certaines ont la citoyenneté française, et en Alsace ce serait 50 000 personnes. C'est dire le poids que cela représente sur le plan culturel. Comme l'a dit Monsieur Loss, 5 000 seulement ont la nationalité française et vont voter, ils ont ce droit de vote de plein droit, il n'est pas question de reparler de ça. Je voudrais revenir sur un point un petit peu différent, c'est la vitalité de la société turque et en particulier de sa jeunesse. Et nous l'avons vu à Strasbourg l'an dernier, au moment des événements qui tournaient autour du projet immobilier du parc Gezi et de la mobilisation de Taksim, il y a eu une mobilisation très très forte de la jeunesse strasbourgeoise et en particulier de la jeunesse d'origine turque. C'est le signe d'une bonne intégration dans la vie démocratique.
démocratique de notre pays, tout en ayant des considérations pour la vie démocratique de tous les pays d'Europe. Et ça, c'est un point particulier. Votre message quant à l'électorat ? Alors, notre message, il est très très simple. Nous sommes partisans du droit de vote aux élections locales, municipales, départementales et régionales de tous les citoyens résidents. Et la citoyenneté se fait par la participation à la vie économique. Et donc, ils devraient avoir le droit de vote, qu'ils soient nationaux français ou non. Merci beaucoup. Sayın Sağlamer. Evet. Merhabalar. Ben evet 40 yıldan belli bu toplum Türk toplumu Strasbourg'da yaşamaktadır. Bu artık ilk dönemler burada sadece çalışıp geri dönmek niyetiyle gelmiş olan insanlar bugün itibariyle artık kalıcı oluyor bu toplumda. Bu toplumun Türk toplumunun artık burada görünürlüğü inkar edilemez. Ekonomik hayatta, sosyal hayatta, farklı hayatlarda görünürlüğü artık kabul edilemez bir noktada. Bu artık yarın bundan sonra bu görünürlüğü, bu kalıcılığımızın artık yani daha güçlü bir şekilde buralarda garanti alınması açısından siyasette daha etkin bir şekilde olmamız gerekiyor. Siyasette etkin olmanın siyasete katılmaktır. Bugün itibariyle bizler aday olduk. Türk kökenli bir aday olarak bir Strasbourg Belediyesi'ne aday olmuşuz. Artık vatandaşlarımız etkin bir şekilde siyasi geleceklerine veya geleceklerine, çocuklarının ve kendi burada oluşturdukları zenginliklerin garanti altına alabilmek için etkin bir şekilde siyasette olarak bunların garantisini sağlayacakları kanaatindeyim.